Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera un vlog sur une boutique, mais pas une boutique de manga exactement, une boutique de vêtements qui fait justement que des vêtements avec pour logo des motifs de manga. Donc c'est super intéressant, ça se place à Pyramide. Donc nous allons voir ça ensemble et c'est parti. Piña colada a cosepe. No ye pibu sechorum drippe. Jigum ne hende pone bichin. Alors, nous voilà dans la boutique. Donc la boutique c'est Lead. Vous pouvez voir qu'il y a déjà devant la boutique du Naruto. C'est super stylé, en plus c'est pas si cher que ça. Regardez le prix. Franchement c'est pas si cher, c'est super stylé. Là nous avons bien sûr Levi. Mais je ne vais pas vous en dire plus, nous allons découvrir ça dans la boutique ensemble. Allons-y. Ils font du t-shirt. Donc tout ce qu'on peut voir c'est du My Hero Academia, l'attaque des titans, du GTO, du Naruto, du Death Note, du Akira, du Hunter x Hunter, du Princesse Mononoke, du Demon Slayer, du Cowboy Bebop, et aussi le petit signe Adidas, Totoro, et le voyage de Chihiro et le château ambulant. Ensuite, là, nous avons du coup les hoodies, qui sont super stylés. Donc là nous avons couleur bordeaux, nous pouvons avoir plusieurs couleurs apparemment ici. On a aussi du blanc, donc c'est très très beau. Moi j'adore hein, personnellement. Alors là je sais pas si c'est tout le temps le même motif. Non, là nous avons du Hunter x Hunter, regardez comment c'est stylé. Donc en fait c'est imprimé directement sur le sweat. C'est super stylé et apparemment on peut leur demander voilà, le motif qu'il y a, qu'ils proposent en boutique. Et ils nous le font sur n'importe quelle couleur. Et de n'importe quelle taille. Magnifique. Magnifique. Trop trop beau. Là aussi nous avons du coup bah, là en t-shirt mais que du blanc. Trop trop beau. Vraiment magnifique. Et en plus il y a aussi devant. Et il me semble qu'on peut choisir aussi si on veut devant ou derrière. Donc je trouve ça trop trop bien. Donc ils font aussi des tote bags. Voilà c'est des petits sacs en tissu super sympa. Donc là on a All Might. Là je sais plus qui on a. Voilà Dragon Ball. Encore et toujours les Ghibli. En plus ils font ça aussi en blanc. Voilà, ça rend super bien en blanc et beige. J'adore. Les tote bags ils coûtent 10€. Donc c'est pas cher franchement pour ce que c'est. Là bien sûr nous avons toujours en noir hein, bien sûr les t-shirts. Je crois qu'ils coûtent normalement 24€. Je sais plus. Oui voilà 24€ le t-shirt. Ça va, c'est vraiment pas excessif. Ensuite, il y a une arrière-boutique. Donc voilà, j'adore ce petit lieu, c'est trop cosy, c'est trop mignon. Là, c'est le coin rayon enfant. Donc en fait, ils font pas que pour les adultes ni que pour les adolescents, mais aussi pour les enfants. Donc c'est super bien, franchement, j'adore. Hunter x Hunter, toujours, magnifique. En plus, j'adore cette couleur jaune. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des enfants ou s'il y a des enfants qui en veulent, même de couleur aussi violette. Alors là, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais ces couleurs violet très très claires. Cette couleur aussi est disponible. Bien sûr rouge, enfin bordeaux. Ça c'est beige. Je trouve ça juste trop trop beau. C'est vraiment magnifique. Ils font bien sûr aussi du bleach. Parce que je crois que je ne l'ai pas mentionné. Mais ils font du bleach aussi. On retrouve surtout du Hunter x Hunter. Bon ça c'est pas trop manga. Princesse Mononoke bien sûr. Alors là c'est principalement de l'attaque des titans. C'est que ça apparemment. Regardez. Celui-là il est juste magnifique. Regardez les détails et tout ça. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. Alors si vous regardez bien, c'est vraiment imprimé comme ça. Voilà. Donc le blanc, ça reste du tissu. Et c'est le noir en fait qui est vraiment imprimé. Voilà. Je trouve ça trop trop stylé et trop trop beau. Pour ceux qui aiment l'attaque des titans, juste parfait pour vous. Avec Levi. Vous avez aussi la couleur vert kaki. C'est vraiment trop trop bien, c'est assez varié franchement. Ça n'a rien à voir avec les vêtements mais on notera, on adore le petit coin très 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 japonais, hein. Très très japonisant tout ça, moi j'adore. Avec les petits lampions là, j'adore, j'adore ça. Là nous avons un sweat Uchiwa, ça c'est très sympa. Avec aussi des petits mangas, des petites figurines, des petits produits dérivés. Donc en plus il y a du Berserk, celle-là est magnifique. Non mais regardez-moi celui-là, j'adore. Avec les lettres de la marque, je trouve ça trop trop beau, magnifique. Et pareil, ça c'est par contre du rose très très pâle, hein. Très très pâle, voire beige, mais plutôt du rose très très pâle. Je trouve ça trop beau, cette couleur elle est magnifique. C'est vraiment du Naruto là, donc c'était peut-être Sasuke, je sais pas si on voit bien.
Mais en tout cas, là, c'est vraiment du Naruto. Donc, Tobi, le signe Uchiwa, magnifique. C'est simple, mais c'est super beau, je trouve. En plus, il y a des tissus différents. Apparemment, c'est ce que m'ont dit certains vendeurs, qu'il y avait des tissus différents. Du coup, c'est assez varié, je trouve. C'est magnifique. En plus, là, je vous ai pas dit, mais il y a même une petite arcade, là, Akira. Je trouve ça trop stylé. En plus, avec Naruto. Ah là là, Clash of Ninja à l'ancienne. Trop, trop bien. Puis, en plus, la musique est parfaite. Que demander de plus? Tout est parfait dans cette boutique. Du coup, nous sommes avec Brian. Brian, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Bonjour. Je suis le créateur de la marque Lead. Du coup, c'est une marque que j'ai créée avec mon petit frère, en fait. Il fait lui toute la gestion et moi, je fais tous les dessins. On dessine tout ce qui a bercé notre enfance et qu'on apprécie. On a ouvert il y a 3 mois et de base, on vendait que les visuels de Miyazaki. D'accord. Ça a très bien fonctionné et au fur et à mesure, notre clientèle nous a demandé beaucoup de mangas. Et nous, ici, on a pour principe d'être franchement respectueux au niveau des prix, de vendre des choses qui tiennent longtemps dans le temps et surtout de faire que des choses qui nous plaisent et des mangas qu'on a déjà vus. D'accord. Au fur et à mesure, on se tient renseigné de tout ce qui se fait et dès qu'on a de nouveaux mangas, on les regarde, on prend le temps d'analyser avec mon frère et si ça nous plaît, on fait quelques nouveaux visuels, on en fait une collection et on la propose très vite à l'impression. Et tous les visuels qu'on propose à l'impression, ils sont disponibles sur t-shirt, suite à capuche ou top bag. C'est toute notre enfance et au début on avait essayé d'ouvrir une boutique à Châtelet où ça fonctionnait très moyennement. On avait la moitié de notre collection qui était dédiée au manga et l'autre moitié qui était dédiée à des visuels assez sobres. Et en s'installant ici, on ne s'attendait pas à avoir une telle communauté, mais ici, juste à côté de l'Institut du Monde Japonais, il y a beaucoup de boutiques qui vendent des mangas d'occasion et notre clientèle nous a forcé à faire ce genre de choses. Nezuko. Pendant une période carrément, et tous les jours, il y avait 10 personnes qui me demandaient une impression avec Nezuko. On essaye de s'orienter sur des mangas qui sont dans la tendance, mais c'est quand même des choses qu'on veut avoir vues avant. Du coup, on se force à regarder et à voir ce qui nous plaît aussi. Et là, je t'avoue que le dernier craquage que j'ai eu personnellement, c'est My Hero Academia. On a commencé à regarder My Hero Academia il n'y a même pas 3 mois, et depuis, on en est complètement fan. All Might en taille réelle 2m20. Et en plus, pour les uniformes de la boîte, on a commandé plein d'ensembles de Yue de l'académie. C'est bien cher. Mais ici, on fait plus du shonen. D'accord, c'est plus vendeur. Et du coup, c'est vrai qu'on ne part pas du tout dans les choses où c'est un peu violent, où il y a du sentimental, etc. D'accord. Mais si vous allez dans la vitrine au fond là-bas, vous allez voir toute une sélection de figurines universelles. Oui, j'ai vu. J'adore. Ah, d'accord. Mais que je ne mets pas en vente en boutique, malheureusement. En tout cas, elles sont magnifiques. Hein. J'ai vu là pour. Pour Griffith, incroyable. C'est mon personnage préféré. Ah, moi c'est Guts, mais j'adore ce manga. On est de retour chez moi, voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et vous donnera vraiment envie de visiter cette boutique parce qu'elle est vraiment trop trop bien. Et en plus, les vendeurs et notamment le créateur Brian, comme vous avez pu voir dans l'interview, sont super super gentils, super aimables, c'est vachement agréable. Ils sont très présents pour leur clientèle, vous avez le moindre souci, ils viennent vous voir, ça fait vraiment plaisir. C'est tellement rare les gens comme ça que du coup ça peut choquer, mais ils sont vraiment très très gentils. Donc ça donne forcément envie de leur acheter des choses, de visiter la boutique, d'en savoir plus. Donc c'était très agréable de faire cette interview et bien sûr de visiter cette boutique que je ne connaissais pas, que j'avais juste aperçue une semaine avant, j'avais juste vu la devanture et je me suis dit « Ah, ce serait pas mal de faire un petit vlog ». Donc je rappelle que c'est une marque unisexe, donc pour hommes et femmes, mais aussi pour adultes, ados et enfants. Donc vraiment il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, c'est vraiment trop trop bien, bien sûr, basé uniquement sur du manga. Et c'est une marque, comme vous avez pu le voir, assez streetwear, donc tout ce que j'aime bien évidemment. Mais en tout cas pour vous, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à checker leur Instagram, il y a même après en lien dans leur bio, il y a le site, donc vous pourrez vraiment voir plus précisément tous les motifs qu'il y a, mais aussi toutes les couleurs, les prix, etc, etc. En plus leur petite carte de visite c'est All Might là, de My Hero Academia, donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, donc la marque Lead. Je vous montre pas ce qu'il y a derrière parce que j'ai des infos assez personnelles, vraiment très très sympa. Et derrière il y a leur Instagram et l'adresse de la boutique.
Donc c'est à 8 passages Choiseul. Donc si vous avez envie d'y aller, c'est le métro 14 pour Pyramide ou le métro 3 pour 4 septembre. Et les vendeurs et le créateur, bien sûr, sont super gentils. L'équipe, elle est au top. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette boutique pour ceux qui aiment les vêtements streetwear avec du manga. Vraiment, cette boutique, elle est faite pour vous. Et n'hésitez pas aussi à dire que vous êtes venu de ma part, hein, ça fera toujours plaisir. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, notamment cette boutique qui vous donnera vraiment, vraiment envie. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut !피냐콜라다아코세페너의피부색처럼드립해지금내핸드폰에비친오니모습에나는드립해나는드립해피냐콜라다아코세페너의피부색처럼드립해지금내핸드폰에비친오니모습에나는드립해나는 tripping Yellow 피나콜라다마이블라헤네시의콜라타우리창은너무나달라머리부터발끝까지힙한스타일너는좀단정한애같아나를만나고서달라져힙한말둘을따라하는게 cool like pie 동그란볼살은빵같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free All these girls don't talk to me on IG 별관심없지 Cause you got that yellow skin 햇살에는하얀 skin 만질래 so come and sit 내차안에서하자 kiss 한색의바디안에숨겨놓은 line 나의 only one 바지를내려놔우리엄마가들으면안되지만네가들으면해서난 rhyme을 따이번여름에마셨던술은다너를보기전해니나바디카내년여름에나피냐콜라다내옆에피냐콜라다아코세페너의피부색처럼드립해지금내핸드폰에비친오니모습에나는드립해